Alors, pour moi, ça, c'est devenu une évidence qu'on doit diriger l'amour. En fait, on doit la diriger sur moi parce que, effectivement, si tu ne t'aimes pas assez, tu vas avoir de la difficulté à aimer. Tu vas aimer ceux et celles qui vont te mettre en lumière. Tu vas aimer ceux et celles qui vont te faire sentir bien. Mais tu vas détester ceux et celles, excuse-moi, mais je vais dire les vrais mots, qui te font chier. Hein? Ceux et celles qui te mettent un miroir de qu'est-ce que t'es pas guéri, ta culpabilité, ta rigidité, ta performance, ton sentiment de pas être à la hauteur, eux, tu vas les détester. Et si tu les détestes, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est toi qui vis avec cette énergie-là. Alors, tu draines ton énergie vitale encore, tu draines ton amour vital. Et gardez toujours en mémoire qu'il existe les deux bols. Et le moment où est-ce que ces deux bols-là sont remplis, tu es l'incarnation du divin, de la lumière à l'intérieur de toi, d'un sentiment de complétude. Ton attention est extrêmement puissante, un pouvoir de manifestation extrêmement puissant.